à tous, bienvenue sur notre deuxième section de cours de portugais. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment compter en portugais. De même aussi, nous allons apprendre comment compter en français. Bon, pour des gens qui parlent déjà le portugais, bon, ça va leur permettre de compter en français. Et pour des gens qui parlent le français, ça va leur permettre de compter en portugais. Donc, j'essaierai aussi de dire un petit truc à nos frères, à nos sœurs, à nos parents, ou bien à tout le monde, quoi, des gens qui savent déjà bien parler le portugais. Je leur dirai un truc pour qu'ils puissent savoir que non, ce cours est dû aussi à savoir parler ou bien savoir compter en français. Donc, je vais leur dire un petit truc. Hola, tout le monde, tudo bem? Estamos sempre com os nossos aulas de português. Hoje vamos aprender como cantar em francês. Donc, c'était juste pour leur dire que non, aujourd'hui nous allons apprendre comment compter en français. Bon, premièrement, c'est toujours le premier chiffre. Le premier chiffre qui est 1. 1 en portugais c'est 1. Mais 1 en français est 1. Donc, je vais tout simplement dire 1 en portugais c'est 1. Et 1 pour les gens qui parlent le portugais c'est 1. Donc, on passe à la suite. C'est un peu de joueur rapide. 2 en portugais c'est 2. 3 en portugais c'est 3. Écoutez très bien la prononciation. 3. 4 en portugais c'est 4. 4. 5 en portugais c'est 5. 5. 6 en portugais c'est 6. 6. 7 en portugais c'est 7. 7. 8 en portugais c'est 8. 8. Écoutez très bien la prononciation parce que ça peut vous paraître un peu étrange, vous entendez chez autre personne. 8. 8, ça c'est en portugais brésilien, la tonalité brésilienne. Bon, les portugais aimants, ils ont tendance à dire 8. 9, c'est 9. 9 en portugais c'est 9. 10, c'est 10. 10, c'est 10. 11, c'est tout de même 11. Il y a juste le E de la fin qui sort un peu du genre 11. 12, c'est 12. 13, c'est 13. 14, c'est là où ça vient de changer. C'est 14. C'est un peu pareil au français, je vous l'avais bien dit. 15, c'est 15. 15. 16, ah, c'est là où c'est maintenant compliqué. Hein. 16, c'est 16. 16. 16. C'est 16 en portugais. Et on passe à 17. C'est 17. Vous voyez, c'est, donc ça change, quoi. C'est pas comme en français. 15, 16, 17, 18, on passe directement. C'est 17. 17. 18, on revient comme le français. 18. 18. Vous voyez, c'est 18. 19, c'est 19. Donc ça change encore. 19, c'est 19. Et enfin, on passe à 20. Et à 20, ouais, c'est 20. 20. Bon, pour aujourd'hui, vu que ça marche tout très bien aussi, bon, je fais ça pour vous. C'est pour que vous puissiez au moins comprendre très bien comment compter en portugais. Franchement, ça me fera plaisir qu'un jour que vous puissiez au moins savoir comment compter en portugais. Donc je vais revenir sur ça. On va revenir à zéro. On va revenir là où on a commencé par 1. 1, c'est 1. 2, c'est
2, 3, c'est 3, 4, c'est 4, 5, c'est 5, 6, c'est 6, 7, c'est 7, 8, c'est 8, 9, c'est 9, 9, 10, c'est 10, 10, c'est 10, 10, 11, c'est 11, 12, c'est 12, 13, c'est 13, 14, c'est 14, 14, c'est 14, 15, c'est 15, 15, 16, c'est lorsque ça change encore, 16, c'est 16. Écoutez très bien. 16. Donc c'est comme si vous entendiez, il y a d'abord le 10, le 10 qui sort, et il y a le 16, le 6. Donc ça fait 16. 16. Le 7 aussi c'est pareil. Vous entendez très bien qu'il y a le 10 qui sort d'abord le 10, après le 7 qui fait le 7. 17. Le 18 c'est directement c'est 18. 18 c'est 18. 19 c'est le 10 d'abord que vous entendez aussi, c'est 10. Après le 9 c'est 9. Donc 10 à 9. 10 à 9. Et enfin c'est 20.